Sup, gens de l'internet, je m'appelle Icons, vous me connaissez toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, j'ai 64 skill bags. Je vais les ouvrir, les amis. Et puis, en fait, je vais essayer, avec les loot que j'ai, les trucs bien, si on peut dire ça ainsi, je vais les... comment on pourrait expliquer ça? Les donner, les répartir. Et pas toutes, là, pas toutes les items que j'aurai, les amis, mais certains items, je vais essayer de vous faire deux coffres et les donner à deux gagnants, avec plein d'items que je vais rajouter aussi de ma poche, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, commençons maintenant, ne perdons plus de temps. Donc c'est parti, mes amis. Pouchou. Trois pépites de mété, ça, c'est vraiment bon. Deux bananes en urite, c'est aussi vraiment bon. Un space! Nice. Des bananes cheat, nice. On a eu quoi? Des bananes en urite. On a eu quoi? On a eu quoi? Je sais pas. Des bananes cheat. Une épée en mété. Ouh. Ouh. 16 perles. Ça, c'est bon. 16 perles encore. Ouh. 24 grammes de cannabis. Ça, c'est bon aussi. On a eu quoi d'autre? Oh! 3 autres pépites de mété. What the fuck? Ça, c'est bon en vrai. No fake. Boom. De l'XP. 32 random ore. Un marteau moins bon. Et deux punch sheets! Oh my god, je vais juste dire à mes amis qu'est-ce que j'ai eu. Ok, ok les gars, je suis en train de filmer. Devinez qu'est-ce que j'ai eu dans mes 16 premiers random ore. Je sais pas. Random ore? Non, mais pas random ore, dans mes skill bags. Mes 16 premiers skill bags, devinez qu'est-ce que j'ai eu. Je sais pas. Un plastron space. Non, j'ai eu un space, un épée en mété, deux punch sheets, 6 pépites de mété, puis 32 random ore. Juste dans 16. C'est mieux que toutes les autres unboxings que j'ai faites juste avant. Bon, j'en ouvre d'autres, ok, vous êtes prêts? Vas-y. 8 œufs de creeper. J'ai eu quoi? Deux autres punch sheets. Un pantalon antitacite. Ouais. J'ai eu quoi d'autre? Des pépites de mété encore. Oh, le j'en ai 9, donc j'ai une mété. J'ai eu quoi? J'ai pas vu. Des punch sheets encore deux fois. Des banane sheets. 64 obsidiennes. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai pas vu. Des perles, j'imagine. D'obsidienne encore. 16 feuilles de cannabis. Deux potions de réparation. Des bananes en urite. Un joint. 5 pépites de space. Oh l'enculé. Et un arc antitacite. Ok, la disco, il m'en reste encore plein. Là, j'ai eu quoi? Il m'en reste plein. Des œufs de creeper. J'ai eu quoi encore? J'ai eu. Attends 2 secondes, Volky. Oh, un autre space! J'ai mec. Nice. Je sais pas trop ce que j'ai eu. 8 joints en jus de feuille d'urite. Un casque en mété! Non, mais wow. Si, si, si. J'ai eu quoi d'autre? Attends. Je sais pas, j'ai pas remarqué. 12 pépites de métier, donc j'en ai eu d'autres. Super. J'ai eu d'autres papiers en urite, là. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre ici? J'ai eu... Je sais pas, en fait. Je vois pas. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on aurait pu gagner, c'est pas grave. 64 random ore! Oh! J'en ai 2 stacks à ouvrir. Tabarnak. 4 tickets de téléportation. 32 autres random ore. Je sais pas trop ce que j'ai eu. Je sais pas trop ce que j'ai eu. 64 pierres de météorite. Et 64 pierres de météorite. Oh my god, genre de l'interweb. C'est littéralement le plus beau unboxing que j'ai fait. Un autre marteau. J'ai eu quoi d'autre? Je sais pas. Des œufs de creeper, j'en ai 40. 48 œufs de creeper encore. Des œufs de creeper. On a eu quoi ici? J'ai pas vu. Des bananes en urite. Un arc en mété. Des tickets de téléportation. J'ai pas vu. 64 œufs de creep, donc on en a eu des œufs de creep encore. J'ai pas vu. Des bouteilles d'XP. J'ai pas vu. 64. Ah, j'ai eu des graines de cannabis deux fois de suite. Des papiers en urite. Ok, là, attends, il m'en reste 4, mais j'ai plus de place. Fait qu'on va faire slash poubelle. Les marteaux, j'en ai pas trop besoin. Les arcs en titane non plus. Fait qu'on va juste poubelle ça pour l'instant. Let's go. 4 autres trucs. Ah, lui, il m'a dit qu'il voulait me faire un don tantôt. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai juste 4 places. Donc, on va voir si c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, ça c'est bon. 7, 8, 9, 10. Ok, attends, faut que je me libère 10 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tiens.
Comme ça, ça va me guider. Merci beaucoup à toi pour ton don, Big. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Il nous reste encore de la place pour ouvrir des skill bags. On va juste mettre ça sur nous pour sauver de la place. Let's go. 4 skill bags. On a eu quoi? J'ai pas vu. 2 potions de réparation. 3 mété. Et le dernier skill bag, j'ai eu des joints. Donc, c'est voilà pour 64 skill bags. Je vais aller me préparer à miner les 64 random ore, les 2 stacks de random ore et 32. Et je vais aussi... on va vite faire regarder les dons. Peut-être qu'on a des petits dons, peut-être. L'obsidienne, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Daylo, merci pour le livre Productile Production 1. Mais j'en ai pas besoin. Unknowlore, merci pour ta graine de cannabis toute pétée. Merci. Tu as rec? Oui. Donc, je vous reprends les amis pour les random ore. À tout de suite. Volkin nous a donné 2 pièces à spawner aussi. Donc, merci à Volkin. Allez, salut! Yo! Hop, les amis, on est rendu, on va notre AP. On va aller miner ça à notre AP, les amis, parce que j'ai pas d'autre vraiment endroit pour les miner. Donc, on va. Ça, c'est notre double AP nord, les amis, si vous êtes pas au courant. J'ai vendu aussi un autre AP contre 10 PB, mais on m'a arnaqué. Donc, je me suis fait un peu arnaquer, mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu con aussi, j'ai fait confiance à un helper, mais au final, c'était pas un vrai... c'était un vrai helper, mais c'était pas un helper très gentil, donc il m'a pas encore payé la totalité des items. Parce que vous vous souvenez, le site était off, dans le fond, puis il m'a dit « Ouais, je vais te payer aussitôt que le site est on », là, il m'a donné les items P4 et tout, tous les trucs au final, mais il manquait juste les 10 PB à m'envoyer, et à la place de mes envoyés, ils m'ont envoyé seulement 6 PB, donc il manque encore 4 PB, donc... Donc voilà quoi, ils m'ont arnaqué et je vais le reporter à son supérieur et il va être démode ou je l'espère me rembourser parce que voilà quoi. Moi tout ce que je voulais c'était vendre un AP nord tranquille et tout et là eux ils m'arnaquent. Je trouve pas ça très gentil, surtout que moi je suis gentil, ok? J'espère juste que personne peut rentrer dans l'AP. Ouais ok c'est bon. Personne peut rentrer dans la paix, ça c'est super. On va pouvoir miner nos affaires tranquille et personne pourra venir nous faire chier. En fait, ils peuvent perdre, mais bon, je pense pas qu'ils vont perdre, j'espère pas. Donc, checkons voir combien on va avoir de random ore, les amis. On en avait 2 stacks, on en avait à peu près 100. J'espère sincèrement avoir quelques métés, ce serait vraiment chouette. Mais on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Let's go. Let's motherfucking go. Moi, je pense... Un stack d'urite aussi, ça serait cool. Parce que, tu sais, vous savez que l'urite, en ce moment, j'en ai grave de besoin. Parce que je fais des joints enchantés et tout. Parce qu'il y a un gros commerce à faire avec les joints enchantés, en fait. Oh, une métée, nice. Ça fait une. On a 4 aussi. 4 citas, c'est quand même pas si mal. Vraiment bien. Bon, jusqu'à maintenant. Au moins, on en aura pas 0. Au moins, on peut se consoler en se disant ça, les amis. Pour l'instant, on n'en aura pas 0. Donc, ouais, je disais, il y a vraiment un gros marché à se faire. Oh, on en a même 2. Il y a un gros marché à se faire avec les joints. Si vous ne saviez pas, les joints enchantés se vendent quand même vachement cher à l'HDV. Donc, les graines de cannabis et les graines et tout ça, c'est vraiment, vraiment important, moi, je trouve. Parce que les joints, ça se vend. On en a besoin. Tout le monde en a besoin des joints. C'est juste, genre, essentiel pour tout le monde, en fait. Il n'y a presque personne qui n'en a pas de besoin. Fait que si vous en avez, je vous conseille de soit les utiliser, parce que vous êtes un PvP man, ou vous les farmer et vous les revendez à l'HDV pour faire de l'argent. C'est une façon de se faire beaucoup d'argent aussi. On a 3-4 métés jusqu'à maintenant. C'est quand même pas si mal. On va demander à mes amis combien ils pensent de métés qu'on a obtenu. Et on va voir s'il y en a un d'eux qui va être proche du compte. Vous êtes prêts? On va leur demander. Yo les gars, je suis en train de filmer. J'ai miné mes random ore. Devinez combien de métés et de titas j'ai eu. Moi je mets sur 3 métés, 15 titas. Attendez, un à la fois, Volkin, tu dis combien? 4 métés, 15 titas. Ok, ensuite? 5 métés, 14 titas. Ok, ensuite, Kalashnikov? 3 métés, 23 titas. Non, vous avez tous pas bon, sauf Volkin. Volkin, j'ai eu 4 météorites et 11 titacites. Félicitations, ouais, Volkin, mais... tu gagnes une météorite. Bravo! What's up, Jean? On se reprend. Donc, j'ai terminé la vidéo, en fait, et je voulais juste vous tenir au courant un peu de ce que j'avais fait avec, avec un peu toutes mes affaires. Donc, premièrement, je vais pas vraiment vous montrer, mais j'ai un home, un de mes homes, qui m'amène à un coffre caché. Et dans ce coffre-là, il y a genre 2 P4 et tout. Genre, c'est mes stuff où j'ai pas de place dans mon skill chest et tout, parce que vous allez voir. Ici, j'ai environ 200 000 ou 300 000 $ ici. J'ai des masses de creeper, j'ai mon stuff en métier. Enfin, toutes les stuff que j'avais, les deux full space. Quoi d'autre que j'ai mis dedans? J'ai mis 3 full space, j'ai mis plein de trucs qui vont me servir. Donc voilà, tout ce que j'ai gardé en fond, c'est les pump cheats, les arc punch, les épées métées, les blocs de titan. Oh, j'en ai bientôt 64.
Et puis en gros, bref, voilà, il me reste quand même 3 full space que j'utilise régulièrement, que je peux utiliser régulièrement, mais j'en ai dans le coffre, dans les airs. Vu qu'il y a le bug qu'il a trouvé sur Hoverfight ne fonctionne pas sur Skill PP, je pense que c'est la meilleure solution à faire. Faire juste un coffre dans les airs, c'est beaucoup plus difficile à trouver que plusieurs coffres. Mon stuff est dedans, j'ai un home dessus, puis boum, tout est correct. Vu que j'ai pas beaucoup de place dans mon skill chest, parce que comme vous voyez, je tiens mes pièces d'or. J'ai aussi un autre compte, si vous savez pas, j'ai un deuxième compte, je suis pas Icons. Qui a aussi 1 million, donc vous voyez 952 400. Lui aussi il a 1 million ce compte là, donc en fait il y a 1 million, je sais juste pas pourquoi ça fait ça, mais quand je vais me connecter dessus, ça dit que j'ai 1 million, je peux pas en avoir plus, je sais pas pourquoi les amis ça fait ça, mais il devrait corriger ce bug là. Et j'ai mon compte ici, où ce que j'ai 877 000. Un peu peut-être plus, peut-être un peu plus parce que j'ai des items en vente. Donc avec les métiers que j'avais, j'ai crafté un plastron, je les vends, j'ai vendu aussi mes deux space. Et j'ai aussi des graines que j'ai eues, casque aussi que je vends, parce que j'en ai pas vraiment besoin, et les pantalons que j'ai obtenus aussi. Donc voilà, je vends tout ça. Donc après avoir reçu cette thune-là, je devrais avoir 1 million aussi encore. Donc va falloir, ça coûte combien de space, 12k. Space plate. Oh fuck, what the fuck. Un plastron 80. Message Warpen 80k environ, un plastron. Ça vaut environ 80k un plastron en space selon moi, parce que bon, le space est quand même vachement dur à obtenir. Et puis je trouve que ça va quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Ben c'est pas mal tout en fait. J'avais vraiment voulu vous... vous dire comme quoi que j'avais, ben que j'ai bientôt 2 millions, ben j'ai le 2 millions plutôt. Puis avec ça, je pense qu'on va faire un concours, des trucs comme ça, faire des trucs intéressants. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec, genre, est-ce que vous voulez qu'on achète genre 2 millions de stuff de Random Ore par exemple, ou 2 millions, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose de vraiment exceptionnel qui n'ait jamais été fait? Si oui, faites juste me dire quoi, puis moi je vais essayer de le faire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, dites-moi par exemple, oh ouais, qu'on achète genre, je sais pas, 1 million de trucs à l'HDV en une vidéo. T'sais, donnez-moi des défis ou des trucs qu'on peut faire en une vidéo avec 2 millions. Genre, 1 million si jamais, si j'aimerais ça me garder quand même un peu d'argent, mais mettons 1 million. Trouvez-moi des idées. Et si vous trouvez des trucs vraiment sympathiques, je vous mettrai, comme genre votre commentaire dans la vidéo. Tu me fais un plastron de don, mettez. Tu me fais. Non! Non! Il y a encore les dons qui bug. Aussi, comment vous avez dû sûrement vous poser la question, comment t'as eu tes skill bags en début de vidéo? T'as dit que t'allais faire un coffre. Je vais faire le coffre dans la prochaine vidéo parce que, en fait, j'ai eu une vraiment bonne idée. Et puis, ça va me prendre du temps pour la préparer. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre dans la prochaine vidéo. Mais en gros, je vais quand même faire des coffres, deux coffres avec du stuff. Puis, vous allez pouvoir les gagner dans les commentaires de ma prochaine vidéo. Donc, faut juste savoir un truc, par exemple, les amis. Faut savoir un truc vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais vous donner les cadeaux seulement si vous atteignez 300 likes sur cette vidéo-ci. Donc, si vous mettez 300 likes, j'en vais me motiver puis je vais faire méga stuff. Ça se peut que je vous mette des bot space, des 4 space, des pas 4, des 3, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi. Aussi, comment j'ai eu les skill bags au début de la vidéo que j'ai ouvert. Comment je les ai eu? Comment vous allez dire, ouais, 64 skill bags, c'est beaucoup, etc. Je les ai eu grâce à mon partenariat. Donc en fait, quand vous êtes sur SkillPP, vous avez un partenariat que vous devez renouveler tous les mois. Donc chaque mois, vous allez sur le support et vous marquez renouvellement, etc. Et dépendamment de ta note, exemple, moi j'ai eu une note de 8.5 sur 10. Dépendamment de ma note, je reçois des récompenses. Donc ça peut être des skill bags, des skill clés, des trucs comme ça. Et moi j'ai obtenu 64 skill bags dans mon slash réserve. Et je les ai récupérés, je les ai ouverts pour le début de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je les ai eus. Je veux pas que vous disiez, oh my god, il se fait give, etc. Chaque partenaire a le droit d'une rémunération dépendamment de leur score du partenariat, quoi, du score qu'ils obtiennent. Par exemple, moi j'ai eu 8.5, ben peut-être qu'un seul partenaire a 10 sur 10, peut-être qu'il y en a deux stacks, je sais pas là, tu sais, vous voyez, je sais pas, moi je suis pas au courant, mais avec ce que j'ai eu puis d'autres trucs que je vais vous rajouter, je vais faire deux coffres dans la prochaine vidéo si cette vidéo là atteint les 300 pouces bleus. Donc c'est plutôt simple les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icon, ciao, allez, salut.